Les forces vives de Guinée avaient appelé jeudi dernier à une manifestation dans le Grand Conakry, mais elle a été reportée in extremis grâce à l'implication des religieux qui tentent de faire la médiation entre les autorités de la transition et les partis politiques, mais aussi la société civile. Lors de l'Assemblée générale hebdomadaire de l'Union des forces démocratiques de Guinée de ce samedi 11 mars 2023, Dr Fodé Ousou-Fofana, vice-président du dit parti, salue les efforts fournis par les religieux et implore l'aide de Dieu pour une entente entre les deux parties. Devant les nombreux militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Dr Fodé Ousou-Fofana explique que c'est à cause de Dieu, mais aussi pour l'amour qu'ils ont pour la Guinée, que le forum composé du Front national pour la défense de la Constitution, du Forum des forces politiques, du Forum des forces sociales de Guinée, de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, le FNDC politique et le RPG arc-en-ciel et allié a accepté de renoncer à sa manifestation pour donner une chance au dialogue. Je voudrais terminer pour saluer ici, en votre nom, le travail des religieux de notre pays. Vous savez que cette semaine, les religieux de Guinée à la tête, le secrétaire général de la Ligue islamique a fait le tour des forces vives pour nous demander de nous retrouver autour de la table pour pouvoir discuter avec le gouvernement pour trouver une solution au problème de la Guinée. Ce pays est à 99% composé de religieux, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, nous croyons tous à un Dieu unique. Quand on vous rencontre, on vous dit à cause de Dieu et de son prophète, laissez-nous vous mettre autour de la table avec le gouvernement. Nous avons prouvé que non seulement nous avons du respect pour les religieux, mais nous aimons aussi notre pays. Et puisque notre volonté a toujours été de nous retrouver autour de la table et discuter, nous avons accepté de rencontrer les religieux, nous avons discuté. Pour la réunion prévue ce lundi 13 mars à la Ligue islamique entre le Premier ministre et son gouvernement avec le Forum des forces vives de Guinée, Dr Fodé Ousou-Fofana espère une entente entre les partis. J'ai fini en demandant au Tout-Puissant Koufaï Kon que la rencontre qui aura lieu lundi, que le Koufaï Kon mette sa part dedans pour qu'à la sortie, le gouvernement et les forces vives s'entendent et qu'on règle tout ce qu'il y a comme différent pour le bien de la Guinée, de l'ensemble des Guinéens et pour notre bien à tous. Comme à son habitude, Dr Fodé Ousou-Fofana a lancé des piques aux partis politiques qui ont pris part au dialogue organisé récemment par le gouvernement. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à certains partis politiques d'accepter que ce pays se calme. Je voulais le demander parce que certains partis politiques n'ont de parti que leur agrément. Incapable même de mobiliser 20 personnes. Certaines sont même incapables de faire une assemblée générale au niveau de leur parti. Je voulais vraiment leur demander de savoir que leur poids, même si on les met tous ensemble, ça fait moins de 5%.